Eh bien, salut à tous les amis, c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars, aujourd'hui nous sommes de retour en police de New York. Et comme je vous l'avais dit dans le live de dimanche après-midi, enfin dimanche fin d'après-midi vers 18h, eh bien les gars, aujourd'hui c'est police de New York, mais tout simplement Highway Patrol, car c'est tout simplement la brigade avec les véhicules les plus badass, je trouve. Regardez la gueule de leurs véhicules, les gyros, c'est des guirlandes de Noël, le bordel. Du coup, petite patrouille autoroute, et ben c'est parti, on s'engage. Allons voir ce qui se passe sur nos routes à New York pour cette patrouille. C'est parti, hop là, du coup on va partir tranquillement par là-bas. Je vérifie bien que je suis en Highway Patrol, c'est nickel. On est bon, hop là, je vais descendre tout simplement ici. Oula, d'accord, très bien. Bon, LSPDFR qui n'a pas trop aimé que je me mette en Highway Patrol. On va tout simplement aller au commissariat. Et je vais me remettre en service. Nickel, ok. Je vais reprendre du service. Hop là, un petit load plugin. Hop là, LSPDFR. Un petit force duty et c'est génial. Nous ressommes de service. Excellent. Nous sommes re de service. Génial. Du coup, c'est parti. On va se réengager. Hop là, tranquillement. On va se remettre en Highway Patrol, du coup. Parce que nous ne sommes plus... Hop là, nickel. Allez, c'est parti. Retour en patrouille, les gars. Qu'est-ce qu'on a, du coup? On va essayer de faire principalement du contrôle de véhicules. Enfin, tout ce qui est du ressort de la police des autoroutes. Que ce soit en France, à New York, à Los Angeles. Ils gèrent tout ce qui est contrôle routier. Excès de vitesse, enfin tout ça quoi, vous m'avez compris. Du coup, c'est parti. Hop là. On se met là, on va aller vers la gauche, vers la droite, pardon. Drive-by shooting. Ok, c'est quoi ça? Drive-by shooting. C'est une fusillade avec un véhicule qui accélère après. Ok, très bien, ça marche. Graffiti Jester, on recherche un véhicule dans le secteur. Ok, nickel. Oula! Coup de feu sur ma position, coup de feu sur ma position. Le véhicule prend la fuite. Ok, nickel. Ok, on va tester le roadblock support. Ok, il me tire dessus. On est aux États-Unis, les gars, ici, là, ça tire à vue. Ok, nickel. Attention, les gars. Il est où, le véhicule? C'est lui, là? Ok, nickel, le conducteur a été abattu. Ok. Ok, j'ai encore un suspect qui est là. Il est où? Allez, on bouge plus, au sol. Non, punaise, arrête, qu'est-ce que tu fais? Lui, là-bas, là. Allez, on lui court après, là, je veux qu'on le chope, lui. On le laisse pas se barrer. Je veux pas qu'il se barre. Oh, punaise. Ok, nickel, j'ai mis une balle dans le pied. Ok, le collègue qui le top. Nickel, oula. Ok, on a un renfort aérien de la part du SWAT. Oh, regardez, c'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. Regardez, on a le SWAT qui arrive par les airs. Oui, bon, j'ai peut-être un petit peu abusé, j'ai appelé le SWAT, hein, je suis désolé. Ok, du coup, salut les gars. Ok, bon. On a clairement le SWAT qui vient d'arriver, les gars. C'est une grosse dinguerie. On a le FDNY qui va se présenter aussi sur place. Pour tout simplement la personne que j'ai acquis, pour qui j'ai mis une balle dans la tête. Donc on a les hommes du SWAT qui nous rejoignent par là-bas. Il est où, le collègue, là? D'accord, il a clairement laissé un plein milieu de la route. Hop. On va faire un petit grab et on va l'emmener par là-bas. Allez les gars, on retourne au niveau de l'intervention là. C'est parti. Hop là. Ah oui, l'hélico, il fait quoi là? Il se pose ou il reste en stationnaire juste au-dessus? Ah, c'est tellement stylé, c'est badass. Bon, par contre, je suis désolé, j'ai pas installé d'hélicoptère de la police de New York, mais c'est tellement stylé. Ah ouais, vous imaginez même pas. Ok, nickel, du coup. On va attendre que les collègues se présentent. Ok, on a l'ambulance qui est présente sur place déjà. C'est déjà un bon point. Ok. On a le FDNY qui se présente. On va attendre que ce 4x4 là se barre.
et je fais faire un stop trafic. Donc en gros, stop trafic, nickel, la zone est toute coupée. Les gars, qu'est-ce qu'ils font là? On a la victime qui est là-bas là. La victime est posée sur le véhicule. Hein. Bon, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Merci. Le SWAT, je leur ai dit de se barrer. Donc je sais pas du tout comment ils vont remonter dans leur hélico. Ici, ils sont en train de faire la réanimation de leur victime. Le SWAT, comment ils vont remonter dans l'hélico? Ah ok, d'accord, ils se TP clairement. Oula, fais gaffe au poteau. Ok, d'accord. Nickel, l'hélico avec le SWAT se casse tout simplement. Ok, très bien, la personne est Delta, c'est pas un problème. Du coup, on va appeler tout simplement, eh bien, les pompes funèbres. Hop, request coroner units. Et c'est tout bon pour nous. L'ambulance, elle, se barre. On a une ESU qui arrive, Emergency Service Unit, avec leur véhicule qui se présente, qui vont faire office de médecin légiste. Ils vont faire leur enquête. Par contre, leur véhicule est clairement dégueulasse. Ça devrait pas du tout être en service, ce genre de véhicule. Salut les gars, la personne est là-bas sur le capot. Ah bah non, attendez. Ah non, elle était mise sur le côté du véhicule. Elle est là. Nickel. Ok, parfait, nickel. Je vous laisse faire votre travail. Je vais faire évacuer le véhicule, moi. Hop, tout simplement, un request au service, large flatbed, nickel. Ce qui est bien, c'est que ça bloque le trafic, mais ça ne bloque pas les collègues et tout ce que j'appelle en renfort, du coup, c'est génial. Tu me fais un pas de down de paix, s'il te plaît, dans l'immédiat, nickel. Hop là, nickel, la dépanneuse prend le véhicule. Donc, une première intervention qui est plutôt cool, qui finit plutôt bien. Ok, nickel, ok, il a un sac d'héroïne. Et bien, dans tous les cas, hop là, tu me l'emmènes, c'est parti. C'est nickel. Allez, attention, mon véhicule, il est sérieux là? Il cartonne mon véhicule tranquille, ouais, ça va, il a rien fait. Ok, du coup, oula, non, il va shooter mon véhicule encore, c'est sûr. Ok, du coup, pour nous, fin d'intervention, les gars. Retour en patrouille. Bon, là, on n'a pas utilisé le balisage, hein, mais on aurait très bien pu. Il appartient à qui, ce véhicule de patrouille là? Celui-là, là, je sais pas du tout à qui il est. On va le mettre sur le bas-côté. Ok, nickel. Ils restent là. Là-bas, ici, ils font leurs affaires. Ils montent dans leur véhicule. D'accord, oui. Quand je suis monté dedans, ça l'a probablement verrouillé. Mais bon. Ils vont forcément trouver une alternative. Allez, du coup, pour nous, fin d'intervention. Retour en patrouille. Hop là, nickel. Et on va essayer de retrouver sur, de se retrouver sur un axe majeur. Ah d'accord, attendez, j'ai oublié de faire un petit truc, c'est clear la zone. Clear traffic control, nickel, ok. Allez, c'est parti. On a les collègues ici qui veulent passer. Mais pourquoi ils... Allez, roulez. Ok, le collègue, il est parti par la droite, donc c'est génial. Allez, nous, on va essayer de retrouver un axe rapide, donc on va passer par la droite... Et on va essayer de regrimper sur l'autoroute. Ça va, il s'amuse avec son taco, lui. Attaque, attaco. Car crash on hillside. Ah, c'est intéressant, ça, c'est où? Mais je la connais déjà, cette intervention-là. On va pas refaire 36 000 fois la même, on va voir ce qu'on a d'autre. Community engagement event, non. Plane hijacking, non. Mais après, on a des interventions dans ce menu-là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, on a... attendez, il y a un high risk arrest warrant. Cette intervention-là, elle a l'air monstrueuse, tout simplement. On va essayer de la lancer. Pourquoi ça ne veut pas la lancer? High speed chase. Ok, d'accord, on a une course-poursuite. D'accord, je viens de lancer une course-poursuite. C'était un peu sans faire exprès. On a un hélicoptère qui est sur la zone, normalement. Ok, d'accord, c'est bon. Oui, l'hélico, il bombarde, hein. Hop. Oh, attention. Wow. Oh là là. Oh la dinguerie, je contrôlais plus rien. Ok, nickel, la personne elle a rien, s'est relevé, sinon j'aurais arrêté la poursuite et j'aurais fait une prise en charge. Non, y'a pas de living là, y'a pas de living. Je veux qu'on la chope la personne là. Qu'on chope l'individu là.
On va le retrouver. Allez, allez, faut bombarder là. Ok, il est là, il s'est mis dans une impasse. Il est là. Ok, on reprend. Nickel, faut rejoindre la poursuite. On a les collègues et l'hélico qui sont derrière, qui suivent. Allez, arrêtez-vous là. Ok, nickel. Ok. Et qu'est-ce que j'ai de l'autre côté là? Nickel, ok, on a les collègues qui sont engagés. On n'entend plus grand chose, les gars, je suis désolé. Oh mince, je suis passé dans les herses des collègues. Ok, nickel, ça crève. Ils sont où là, les collègues? Pourquoi ils suivent plus? Ok, nickel. Ok, ça sort, arrêtez-vous là. Allez, mettez les mains en évidence, couchez-vous au sol, les mains en évidence. Ok, nickel. Ok, parfait, individu interpellé. Parfait. Par contre, lui, il va se calmer tout de suite avec son véhicule. Hop là. Hop. Ouais, mon véhicule, il a pris sacrément cher pendant la poursuite, hein. On va utiliser ce qu'on a à disposition sur notre véhicule, tout simplement. Donc c'est, hop là, tout simplement ces deux trucs là qu'on a à disposition sur le véhicule. Donc autant les utiliser. Du coup, je vais appeler une autre patrouille. Hop. Ok, j'ai une patrouille qui va arriver. Moi, le véhicule. Ok, la patrouille est là-bas, ou je sais pas où elle est. Hop, le véhicule, un plate check dans la foulée. Oh, on voit un magnifique engine du FDNY en face, c'est génial, j'adore ça. Ok, du coup, on va se calmer. Hop là. On va faire large flatbed truck. Nickel. Est-ce que c'est Dylan Justice, lui? On va voir ça tout de suite, hop là. Ok. Ok, nickel. On va se mettre tranquillement sur le côté. Ok, nickel. Salut les gars. La sirène, par contre, ce serait peut-être cool de la couper. De penser à la couper, en tout cas. Hop là. On va mettre leur véhicule ici, aux collègues. Nickel. Venez là. Du coup, lui, là, vous me faites un... Il est où? Tu me fais un pat down de paix, s'il te plaît. Tu te mets en position, voilà. Allez, tu me fais un pat down de paix dans la foulée, c'est génial. Ok, du coup, il va me dire si monsieur a quelque chose d'illégal sur lui en sa possession. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, stolen bus... Ah non, d'accord, plane ticket, nickel. Bon, bah, du coup, ce que tu vas me faire, c'est que tu vas me le transporter. Hein? Parce que moi je vais retourner en patrouille, Highway Patrol. Ok, nickel. Allez, on va remonter tranquillement dans notre véhicule, nous les gars. On va voir comment ils vont embarquer, monsieur. Et puis, bah, ça va être une fin de patrouille pour nous. Une fin de patrouille. Excusez-moi, autant pour moi. Une fin d'intervention. D'accord, donc ils sont toujours bloqués. Véhicule option. Hop là. Mince. Ok, nickel. Attendez, est-ce que ça fait du bruit? C'est ça qui a fait du bruit? Ah oui, écoutez. Bah oui, c'est normal, ça retombe sur le toit. Ok, du coup, nickel pour nous. Hop là. On va faire juste un petit tour au niveau du commissariat le plus proche pour... Juste pour se réparer le véhicule. Parce qu'on ne va quand même pas réparer le véhicule sur la chaussée. Ce serait bien dommage. Hop. On va réparer le véhicule bien tranquillement au garage. Hop. Vehicle option. On va faire un petit fix vehicle. Nickel. Hop là. Du coup,
C'est parti pour nous, reprise de patrouille. Alors du coup, maintenant, on va vraiment se diriger vers un grand axe. Nous sommes ici, on va essayer de prendre... Enfin, c'est pas nous allons essayer, c'est on va prendre eh bien, la sortie pour... Enfin, l'entrée d'autoroute pour se barrer en vraiment highway patrol. Parce que c'est bien sympa de faire du course-poursuite en ville. Mais c'est vraiment sur l'autoroute qu'on est censé être. Du coup, c'est parti. Hop là, on met vite fait les bleus pour essayer de regagner notre juridiction. Les bleus, pardon, enfin les... Les gyros, vu que nous c'est en France on dit les bleus parce qu'on a des gyros bleus, mais là-bas ça m'étonnerait qu'ils disent on met les bleus. Ok, nickel. Allez, du coup on s'engage bien tranquillement, bien sagement. Et c'est parti. Rabattez-vous là, mettez-vous sur la droite. Ok, je sais pas si aux États-Unis c'est interdit de doubler par la droite. Pour ceux qui connaissent, dites-le moi si c'est interdit. Parce que moi j'en ai absolument aucune idée de la législation du code de la route, eh bien là-bas. Oh, stolen bus. Oh mais non, mais c'est une blague, c'est en bas. Il y a eu un bus qui a été volé, les gars, mais non, je peux pas y accéder là, je suis totalement beaucoup trop loin. Bon allez, on va essayer de s'y rejoindre, enfin d'y joindre là-bas. Ok. Allez, on va essayer de rejoindre la zone d'intervention. Le bus, il va par là-bas. Allez, allez. Hop là. Ok, le bus est là-haut. Il passe au niveau du pont. Ok, j'ai demandé des patrouilles qui vont se joindre à la poursuite. Hop là, attention. Ok, nickel. Ok, c'est là, nickel. Il y a déjà une patrouille qui est engagée. Ok, nickel, c'est là, nickel. On a déjà une patrouille. Allez, allez, là, il faut la descendre, là. Descendez du bus, là. Ok, d'accord. Là, elle est bien violente, elle. Ok. Oula, oula. Ok, là-bas on a des individus qui font feu, on a des individus qui font feu sur la police. Des individus qui font feu sur la police. Ok, d'accord, on est pris à partie ici à ce niveau-là. Le bus là, on a les collègues ici qui s'occupent des jeunes pendant que nous on s'occupe du bus. Oh les gars. Ok. Allez, descendez du véhicule là. Ok, nickel, c'est bon. Oula, oula. Oula. Oh non, elle est passée où? Oh là, elle s'est fait salement shooter, elle. Ok, nickel, au sol. Ok, nickel, il lui passe les menottes. Eh ben, le SWAT, ils sont arrivés à une vitesse. Ils ont éclaté le poteau incendie. Oh, un truc de malade mental. Ok, du coup, là... On est carrément sur une scène de crime. Du coup, je vais demander quand même, eh bien, en code 3, les pompiers, parce que il faut qu'ils viennent pour leur poteau incendie qu'on vient d'éclater, là. Donc, on a les SP qui vont arriver. Ils sont là-bas. C'est déjà nickel. Ensuite. Par contre, ils ont absolument pas la sirène des pompiers de New York. Hein, je suis désolé. Ok, nickel. Salut, du coup... oui, donc on a un poteau incendie qui a été totalement défoncé durant l'intervention. Du coup, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Ok, bah apparemment, pour eux, c'est tout bon, ils se barrent. Donc c'est génial. Le FDNY pour eux, fin d'intervention. On a le SWAT en sécurisation ici. Oui ? Il y a un problème ? Ok. Le bus, un petit plate check. Ok, nickel. Ensuite, madame. Hop, tu me fais une palpation s'il te plaît, direct dans la foulée. Ok, nickel. Leur collègue, il est monté. On a un véhicule de collègue ici. Le bus, je sais pas du tout comment est-ce que je peux évacuer un bus par contre. Très, 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 très bonne question. Très, très bonne question. Hop.
Comment évacuer un bus? Du coup, la patte de Fentanyl, ok, très bien. Du coup, allez, vous me l'embarquez. C'est parti. Moi, je vais trouver un moyen de... Ah mince, j'ai fait grave de pète. Non, je voulais faire police transport. Ok, nickel. Du coup, moi, je vais trouver un moyen pour faire évacuer le bus. Pas au service. Bah, large flatbed, hein. Un large tow truck. Quoi? Non, c'est pas un véhicule de police que je veux faire évacuer. C'est ça que je veux faire évacuer, le bus. Hop. Tow service, large. Non, mais pourquoi il me demande un véhicule de police? Ok, je vais reculer les engins du NYPD pour essayer d'avoir une vue uniquement sur le bus. Ok, nickel. Hop là. Par contre, l'engine, lui, il reste sur place. J'ai bien l'impression qu'ils sont pas décidés à partir. Non, mais... Pourquoi il ne veut pas me faire le bus? C'est bizarre. Hep, 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 hep. Madame, qu'est-ce que... Hep, 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 madame, hey. Lâchez le bus, là. Lâchez le bus. Ok, les gars, on vient d'avoir un vol sur le bus en direct, là. Avec des collègues d'écrasés. Ok, elle vient carrément de voler le bus, là. Elle vient clairement de voler le bus. Ok, faut pas, surtout pas le perdre de vue, là. Arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous, là. Eh, hey, lâchez le véhicule, là. Ok, très bien. Je demande des patrouilles, Ok, là, on va fermer la circulation, là, on ferme la circulation. Ok. Stop trafic. J'ai stoppé la circulation dans le quartier. Madame, elle vient de voler le bus de l'interpellation d'avant. Ok, nickel. Ok. On a les collègues qui vont se présenter à droite, à gauche. On a les SP aussi qui se présentent. Ok, très bien. Wow. Comment ça part trop en steak, les gars, à New York, c'est un truc de ouf. Ok. Ok, nickel. On a tous les secours qui se présentent. Génial. Hop là. Salut, les gars. Du coup, on était sur un accident de bus, hein. Voilà. Ok. Regardez, c'est des guirlandes de Noël. Allez, du coup. Salut. Alors, madame, elle a été abattue durant... Enfin, elle a été abattue, elle a été gravement blessée. Pour l'instant, on connaît pas son état. Ok, il passe le relais à une autre ambulance. Il passe le relais à une deuxième ambulance. Du coup, ok, Nikita Pils. Oh, c'est génial, c'est super stylé, ça, j'avais jamais fait gaffe. Cause by shotgun. Est-ce qu'ils vont réussir à la ramener, elle? Je ne sais pas. Pardon. Ok, attention, ça part. L'engine, il se barre. Engine 55. Ok, bon, apparemment, c'est Delta. Très bien. Ok, très bien, c'est Delta, c'est pas un problème, hein. On sait très bien que la police aux États-Unis, ils sont pas forcément douillés avec les individus. Elle avait qu'à pas voler le véhicule, hein. Surtout, il y avait le SWAT juste à côté. Elle a décidé de faire des dingueries. Et ben, c'est tant pis pour elle. Ils sont où, eux? Je les entends arriver. Ok, d'accord, ils sont là-bas. Et du coup, est-ce que là, j'ai l'option d'évacuer le bus? Non, ce bus va rester là, dans ce cas-là. Ou je vais le mettre sur le bas-côté moi-même. Ah ouais, tout a été éclaté, là, pour l'interpellation. Ah ouais, il roule encore, hein, quand même, hein. Ok, nickel. Le bus, on le met là, tranquillement. On va retourner sur le lieu de l'intervention. Tout le trafic a été coupé. On est clairement sur une scène de... Pas de crime, étant donné que c'est nous qui l'avons abattu. On sait très bien qui a causé la mort, c'est moi-même. Ok, nickel. C'est bon. Ok, c'est bon, nickel. Merci, les gars, hein, de votre intervention rapide et efficace. Et du coup, pour nous, fin d'intervention. Notre véhicule, il en est où? Il est totalement éclaté. On va retourner au niveau du commissariat. Regardez, là, il y a tous les véhicules qui sont présents. L'engine, il est là. Regardez comment ils sont super stylés, les engines. Oh là là, c'est une dinguerie. J'aimerais bien faire une vidéo avec, mais il faudrait que j'arrive à installer les sirènes. Et ça, c'est pas gagné. Oh là là, regardez aussi, là, l'ambulance. C'est super stylé. Franchement, c'est super stylé. New York, c'est vraiment une ville dans laquelle j'ai envie de voyager. Mais vraiment de ouf, j'ai super envie d'y aller. Donc, s'il y en a un qui travaille à New York ou qui connaît quelqu'un qui peut m'héberger là-bas, je viens, mais sans souci, il n'y a aucun problème. Allez, on va tranquillement retourner au commissariat, réparer le véhicule. Et
Vu le temps, ça va déjà être la fin de cette patrouille. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, les gars. C'était Drixiz et ciao, bye bye.